Alors, je suis maintenant prêt à reconnaître un membre de l'opposition officielle et je reconnais Madame la députée de Mont-Royal. Monsieur le Président, je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante. Conjointement avec la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, le député de Saint-Henri-Sainte-Anne, le député des Îles de la Madeleine et la députée de Vaudreuil. Que l'Assemblée nationale prenne fait état de préoccupations majeures et de constats accablants sur la violation des droits de la personne, le climat politique du pays, la violence armée des bandes criminelles, l'absence de sécurité et l'atteinte au maintien de l'état de droit, la crise socio-économique des habitants, l'absence de services sociaux fonctionnels et l'exploitation sexuelle. Qu'elle prenne acte de la situation. Actes de violence sexuelle perpétrés par les bandes armées contre les femmes, les filles et dans une moindre mesure les hommes et les garçons pour infliger la terreur et punir et humilier les populations locales. Qu'elle rappelle les liens d'amitié qui unissent. Alors, je suis maintenant prêt à reconnaître un membre de l'opposition officielle et je reconnais Madame la députée de Mont-Royal. Monsieur le Président, je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante. Conjointement avec la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, le député de Saint-Henri-Sainte-Anne, le député des Îles de la Madeleine et la députée de Vaudreuil. Que l'Assemblée nationale prenne état de préoccupations majeures et de constats accablants sur la violation des droits de la personne, le climat politique du pays, la violence armée des bandes criminelles, l'absence de sécurité et l'atteinte au maintien de l'état de droit, la crise socio-économique des habitants, l'absence de services sociaux fonctionnels et l'exploitation sexuelle. Qu'elle prenne acte de la situation critique qui sévit en Haïti, caractérisée notamment accès déficient à l'eau potable et à des services d'assainissement, pourtant essentiels pour le traitement et la prévention du choléra. Une épidémie de choléra qui a touché plus de 820 000 personnes depuis 2010, causant la mort de 10 000 d'entre eux, dont 40% des victimes étaient des enfants de 15 ans et moins. Une hausse marquée du nombre de homicides perpétrés par les bandes criminelles. Victimes en 2022. Qu'elle condamne avec vigueur les viols collectifs et autres actes de violence sexuelle
perpétrés par les bandes armées contre les femmes et dans une moindre mesure les hommes et les garçons, pour infliger la terreur, punir et humilier les populations locales. Qu'elle rappelle les liens d'amitié qui unissent le Québec à Haïti et que ces liens sont renforcés par la présence au sein de notre société de 150 000 Québécois d'origine haïtienne. Qu'elle réaffirme sa solidarité indéfectible envers la diaspora haïtienne du Québec. Qu'elle affirme que la solution à la crise en Haïti va être haïtienne. Qu'elle rappelle que la collaboration avec les acteurs locaux pour mettre en place un processus démocratique menant à l'élection de représentants légitimes est nécessaire pour sortir Haïti de la situation dramatique dans laquelle nous sommes. Qu'elle témoigne de notre solidarité sans réserve envers le peuple haïtien et son désir de retrouver une société stable et sécuritaire. Qu'enfin, elle demande au gouvernement du Québec de continuer à soutenir Haïti dans le respect de ses compétences, en plus de sensibiliser les partenaires à la réalité haïtienne actuelle, afin de permettre aux Haïtiens de sortir de cette crise humanitaire, sanitaire et sécuritaire de façon pacifique. Connaître un membre de l'opposition officielle et je reconnais Madame la députée de Mont-Royal. Monsieur le Président, je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante. Conjointement avec la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, le député de Saint-Henri-Sainte-Anne, le député des Îles de la Madeleine et la députée de Vaudreuil. Que l'Assemblée nationale prenne acte du plus récent rapport du Bureau fait état de préoccupations majeures et de constats accablants sur la violation des droits de la personne, le climat politique du pays, la violence armée des bandes criminelles, l'absence de sécurité et l'atteinte au maintien de l'état de droit, la crise socio-économique des habitants, l'absence de services sociaux fonctionnels et l'exploitation sexuelle. Qu'elle prenne acte de la situation critique qui sévit en Haïti, caractérisée notamment par une insécurité alimentaire qui affecte maintenant 4,7 millions de personnes sur une population de 11 500 000 personnes. Un accès déficient à l'eau potable et à des services d'assainissement, pourtant essentiels pour le traitement et la prévention du choléra. Une épidémie de choléra qui a touché plus de 820 000 personnes depuis 2010, causant la mort de 10 000 personnes. Une hausse marquée du nombre d'homicides au pays perpétrés par les bandes criminelles de 35,2% en un an seulement, faisant 2183 victimes en 2022. Qu'elle condamne avec vigueur les viols collectifs et autres actes de violence sexuelle perpétrés par les bandes armées contre les femmes et dans une moindre mesure les hommes et les garçons pour infliger la terreur et les populations locales. Qu'elle rappelle les liens d'amitié qui unissent le Québec à Haïti et que ces liens sont renforcés par la présence au sein de notre société de plus de 150 000 Québécois d'origine haïtienne. Qu'elle réaffirme sa solidarité indéfectible envers la diaspora haïtienne du Québec. Qu'elle affirme que la solution à la crise en Haïti va être haïtienne. Qu'elle rappelle que la collaboration menant à l'élection de représentants légitimes est nécessaire pour sortir Haïti de la situation dramatique dans laquelle nous sommes. Qu'elle témoigne de notre solidarité sans réserve envers le peuple haïtien et son désir de retrouver une société stable et sécuritaire. Qu'enfin, elle demande au gouvernement du Québec de continuer à soutenir Haïti dans le respect de ses compétences, en plus de sensibiliser afin de permettre aux Haïtiens de sortir de cette crise humanitaire, sanitaire et sécuritaire de façon pacifique.